Et salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode 8. Et on commence directement à la fin de l'auberge où il se passe des choses dans l'écurie. C'est parti. Ah ! Je dois aller manger. Quel libre, ça a l'air triste. Me revoilà. C'est rapporté un dessert, on le mange ensemble. Ah Julien, la gentillesse, hein. Vous l'avez dit. Alors, on continue. Et ça a gagné donc la route par là, c'est cool. Donc on peut soit faire cette route, soit faire celle-là. On va faire celle-là parce qu'il me semble que la deuxième c'est que pour le coffre et cette fois-ci il vaut mieux qu'on aille chercher bien sûr le prince. Bon, allez vers le bas, c'est parti. Tous ensemble, ouais, on trouve des plats rares ici. Ces discussions de l'enfer. Oh, c'est nouveau ça, des nuits orages. Ça commence bien. Encore des messages sur mon portable, incroyable. Alors, hop, bien fait évidemment, et voilà, victoire. Julien qui passe niveau 9. Ses accoutrements de mort, hein, bien sûr. Oh, il se passe quelque chose ici. Quelque chose me dit qu'il y a un objet enterré ici. Et bien, creusons. Ah oui, il creuse à main nue, Tony, il est déterre. Hein. Tiens. Il a déterré un peu d'argent. Youpi. Ah ouais, quand il disait un peu, c'est un peu. Hein. C'est pas incroyable, mais bon, c'est déjà ça. C'est cool. On peut pas acheter grand chose. Peut-être une... ça vaut une banane PV. Bah voilà, regardez, on récupère de la thune derrière, on revient à 3000. Eh, en vrai, on commence à être pété de thune, hein, faut pas croire. Hein. La 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 li la la. C'est quoi cette mélodie? C'est de moi. Sympa, non? J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Ça m'étonnerait, je viens de l'inventer. Ah, j'ai trouvé. Ça me rappelle un cri de gobelin en fait. Tu comprends rien à l'art. Ouh, ça parle mal de tes skills de chant, Shake, hein. Attention. Ah, pas de nouveau monstre, alors on va probablement passer ce combat, je vous le dis d'avance. Yes! Invoque une explosion magique qui met le feu à tous les ennemis, bien. Et ça commence à avoir des bonnes techniques et tout. On commence à être fort, hein, en vrai. Faut pas croire. Hein. Et 20 bonbons PM, 19 bananes PV, par contre, pas mal, hein, pas mal. En vrai. Il commence à avoir des routes de partout là. Ok, on a oublié une route. Notre destination a l'air là-bas. Il y a un truc là-haut, c'est quoi? Le pic glacial. On peut rien faire pour l'instant par ici. On ira voir ça plus tard. En tout cas, il faudrait que voilà, on aille par là. Je referai ces routes là en off. Et celle-là, je sais pas, on verra. Voilà, bon écoutez, on repart en route. On va essayer d'aller trouver le prince quand même. C'est parti. Désolé, je me suis arrêté 5 minutes pour boire parce que quand même c'est important de s'hydrater. N'oubliez pas. Où a donc bien pu passer ce cher prince Loki? On peut rentrer à la maison. Au moins par là, la route est sûre. Ouais, on peut toujours abandonner le prince, c'est notre réputation. Quoi? Je... Non, c'est bon, on continue. Psychologie de base. Les persos qui ont genre zéro respect, quoi. Oh, il y a encore une route. Oh, c'est infini. C'est infini. Je suis 100% avec toi. Des combats, toujours des combats, bien sûr. Voilà, ça c'est fait, ça. Bien sûr qu'on continue. Il y a un moustique ou je sais pas quoi là qui est en train de m'aggro. Au secours. Ouvrir. Un bonbon PM. On en avait pourtant déjà assez. Hein.
Allez. Je vous le dis, on risque de passer les combats qu'on a déjà vus de toute façon. À moins qu'il y ait des actions dingues, hein, mais. Voilà, on termine encore. Hein. Ah, on a reçu une lettre, attendez. Incroyable, sans aucun doute le paroxysme de la délectation. Cet arôme, cette texture. Les mots ne peuvent pas les décrire. 3 tickets de sortie. Mec, je vais pas manger des tickets. T'aurais au moins pu me filer de la bouffe. Et oui, la salière est bien sûr qui a augmenté. Hein. Oui, je sais, on se souvient. Oui. Oh, niveau 5, alors qu'est-ce qui se passe? Sieste équine. Faire un somme avec le cheval dans l'abri permet de mieux récupérer. Ah, ça c'est bien ça. Allez. Je devrais pouvoir aller sauver le prince d'ici peu, normalement. Comme je dis, hein, les routes grises, je les ferai en off, toutes les routes et tout ça. Histoire qu'on soit tranquille, on va dire. Le voici. Oui, tout petit. Me faire attendre, moi. Comment osent-ils? Hein? Loki. Ah, enfin, un bande d'incapables. Conduisez-moi à la princesse. Et tout de suite. Pourquoi j'attends seul ici? Bonne question. Figurez-vous que je combats un monstre. Je tentais donc vaillamment d'oxyre cette créature. Mais mes incapables serviteurs l'ont laissé reprendre le dessus. Je n'ai eu d'autre choix que de fuir à toutes jambes. Désolé Loki, hein, t'es sur un vieux perso visiblement. Griffon. Wouah. Il est ultra stylé ce perso. C'est peut-être un boss, hein. Bah écoutez, on va faire une attaque en cheval. Super là sur le griffon. Bam, 42 dans ta tronche. Attention Crazy. Oh là là. Ça soigne. Voilà, ça soigne Crazy. Et du coup, ils vont gagner un level d'amitié comme j'avais dit. Oui, voilà, super. Niveau 7. Et là, voilà, bon rétablissement. C'est génial. C'est l'heure pour moi d'entrer en scène. Bam. Feu. 35. Oula, il reste encore pas mal de vie en fait. Hein. Une petite aïade aérienne. Je suis pas contre. Hein. Ouf. Oh là là. Tu as osé me défier. Voilà un prince qui a l'air bien hautain, effectivement. Et ça regagne bien sûr des niveaux d'amitié, dont généreux, c'est super. Je vais pouvoir attaquer en cheval. On va faire des gros dégâts là avec ça. Ouais, c'est bon là. On est bon. Voilà. Je dois avoir des combattures demain matin. Le griffon rôti. Waouh, 2 étoiles en plus. Hein. La bataille fut rude, mais mon talent à l'épée nous a assuré la victoire. Ça y est, je perçois le château. Le princesse Olori. Votre recherche, prince Loki, sera bientôt à vos côtés. On est dépité quoi, on en a marre. C'est vrai qu'on l'a éclaté le griffon. Hein. Allez, allons voir quand même ce qui se passe. On y va. Eh bien, où est le prince Loki? Ah! Vous l'avez conduit sain et sauf jusqu'à nous. C'est merveilleux. Voici donc votre récompense. 800 gold. Bon, c'est moins, mais quand même. 800 gold. Il en a plus rien à foutre, il a payé plus cher pour son visage à lui en fait. J'ai réussi à me faufiler en douce. ça se kiffe, attention. Hein. Princesse Odori. Et voilà votre cher prince Loki. Vous. Ville maintenant. Que faites-vous ici auprès de ma chère princesse Odori? Et vous? Pour qui vous prenez-vous?
Moi, pour personne, je suis son fiancé. Un coquin comme vous, son fiancé? Alors ça, jamais! Venez me le dire en face, maintenant. Il y a des bails, attention. Hein. Arrêtez! Je vous en prie, arrêtez tous les deux. Mais c'est quoi ce vacarme? Voilà, gros bordel. Baston, hein. Attention. Alors c'est lui, le fiancé de Lori? Je ne peux pas laisser faire ça! Qui est ce manant? Il ose poser la main sur ma princesse. Arrêtez-vous de m'arrêter tout de suite! Gros bail. Ces trois-là sont dans tous leurs états. Un fruit apaisant leur ferait peut-être du bien. Pourquoi je me fais attaquer par des mouches? Accepteriez-vous d'aller nous en chercher un? Oui, bien sûr, évidemment. Voilà qui nous rend énormément service. Ce fruit pousse au milieu quelque part de la forêt. Ah, d'accord. Bon. Acceptez-vous. Acceptez ce cadeau pour vous remercier par avance. 500 gold, mais putain, mais le roi qui met bien, là, King Arquignan, mon gars. Mon petit, cette paix, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. On a une nouvelle route, et regardez, il y a un perso bizarre. Lui, c'est pas un d'argent, c'est peut-être de la bouffe, vu qu'il ressemble à une fraise. Allons l'attaquer. De la bouffe rare. Savoureux, ouais, ça doit être ça. Ah putain. Et voilà. Salade de Boeing 2. Ouais, bah écoutez, on a des trucs pas mal. Hein. Allez, allons là. On va réussir à trouver ce fameux fruit qu'on nous demande d'aller chercher. Quelle dispute, mes aïeux. Cette café s'est vraiment lâchée. Le prince Loki est un peu plus... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est lui son promis, on n'y peut rien. Pauvre princesse. Voilà. Café Loki, je suis désolé hein, pour les rôles. Odo, ça va, tu t'en sors pas trop mal? J'ai dû rêver. Merde, fallait appuyer ou faire quelque chose? Ah, faudra qu'on réessaye peut-être. Petite pièce, où êtes-vous? Et si on joue à pierre, feuille, ciseaux? Oh bah ouais, fallait peut-être appuyer quelque part, merde. Ouh, une plante croqueuse, on l'a jamais vue celle-là. Julien qui met bien dès le début là, avec une attaque à 32. Non, Tony! Putain! Vitre, une attaque avec le cheval. Bam! Rends-moi, Tony! Voilà! C'est fou ça. Ça mais. Arrêtez. C'est quoi ces mouches bioniques là? Vous avez trouvé l'auberge. Ah ouais, bah c'est ça en fait. On a dû louper le chemin avec le fruit. Bon, on le refait tout de suite hein, parce que c'était assez court quand même. J'ai envie de voir la chambre de Crazy. Ah! Ça passe des bails hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, une carotte. Bon, ça on l'a déjà vu du coup. Elle est absolument délicieuse. Ah non, bah, alors, elle kiffe vraiment de ouf le... Hop là, en sel bien sûr. Mais donc elle voulait aller dans la chambre de Crazy. Que va-t-il se passer là-bas? On a un peu de temps pour nous aujourd'hui. Je vais en profiter pour changer un peu de look. Donne-moi une minute. Oh non, ça va être encore une coiffure à la con. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Au secours. 'Faire gagner au moins 10 points de maîtrise à un équipier en lui faisant manger des vivres. Ah ouais, quand même. Pas mal, ça. Allez, on va aller chercher le fruit, là. Ah, c'est peut-être là. Ah oui, d'accord, en fait, je pense que le passage secret, c'est pour aller au coffre. Du coup, on verra ça plus tard. On va peut-être aller chercher le fruit directement. C'est parti. Les paroles nous inspirent. Bon, on se retrouve après le combat. Hein. Vous l'avez déjà vu, bien sûr. Waouh, on a eu un bon truc. Hein.
en termes de bouffe là. 2 étoiles, c'est pas mal. Hein. Tiens, si tout le monde mangeait un fruit apaisant en même temps, je crois que toute la peur et l'inquiétude du monde disparaîtraient d'un coup. Hein? Pourquoi tu poses cette question tout à coup? S'explique. Mettons qu'on trouve ce fameux fruit. On le plante dans un petit jardin derrière une auberge. On en donne à tous les gens et on devient les maîtres du monde! Mais ça va pas la tête? Non, mais je déconne. Oh, tu te moques de moi? Arrête de dire n'importe quoi et reste sur tes gardes. What the fuck? Il se passe des bails, hein, Julien. Qu'est-ce que tu essayes de faire, là? On a des bails, hein. Alors, attendez. Est-ce bien par ici que pousse le fruit apaisant? Oui, le voilà. On le verra jamais in-game. Vous avez obtenu le fruit apaisant. C'est une pomme bleue. Mmh. On a trouvé l'auberge. Super. Bah écoutez, on va leur apporter le fruit. Après, je ferai les autres routes off là pour gagner d'autres trucs. Et je pense qu'on sera bon pour cet épisode, bien sûr. Apocalypse. Tada! Qu'est-ce que tu veux manger? Il y en a aussi pour moi. Ça augmente l'amitié, bien sûr. Niveau 4. Ça, c'est bien, ça. Allons-y. Rapportons-leur le fruit apaisant. Et on verra ensuite. Alors. Oula, il s'est passé quoi ici? Ah voilà, donc le perso le dit aussi. Oula putain, attends, on s'est fait aggro, on dirait que j'étais en train de marcher, super. Un petit diable, je crois qu'on avait déjà vu un. C'est le monstre où il y avait la tête de Mel dessus là. On va lui péter sa gueule hein. Voilà, ça dégage hein. Il y en a un autre ici qui vient de me piquer le cul. Voilà gros. Hein. Voilà, et pas grand chose à faire là hein, pour le coup. Des combats rapides. Le vieux Shelmy qui est éclaté derrière. Ça me tue de rire. Oh bah non, on vous laisse dans votre merde. Hein. Bon bien sûr, je déconne, on va aller les aider. Allez. Au secours, à l'aide! Ils sont tranquilles. Hein. J'ai une seule et unique mission. J'ai honneur d'être un des porteurs de Sa Majesté. Mais il arrive aussi que je dois affronter des monstres. Effectivement. On va lui éclater sa tête. Ça. Vilain, si diable. Alors attention, c'est-à-dire que ceux d'avant, ils étaient gentils, hein, pourtant. Oh oui, une attaque de cheval. Ça fait mal ça. Bam, 43. Oui, il a l'air d'avoir pas mal de PV. Julien n'est pas affecté, heureusement. Oh non. Cette fois, c'en est trop. Il y a une embrouille entre Crazier et Shake. Va falloir améliorer ça. Hein. Bon rétablissement, bien sûr. Yes. Voilà. Oh là non. Crazy qui est possédé. Attendez. On va le mettre derrière à l'abri. Histoire qu'il fasse pas n'importe quoi. Voilà un coup à 47 là. Ok, Crazy qui va mieux. On va le faire revenir.
qui est, c'est quand même un bon DPS. Et voilà le petit diable qui est vaincu. 60 points d'XP bonus qui mérite. Je suis presque là au niveau d'après moi. Ah, ils sont tous le même niveau. Hein. Ouais. Bah écoute, je vais le donner à Crazy puisqu'il fait DPS à chaque fois. Hein. C'est lui qui. Faut qu'il gagne un niveau parce qu'il fait des grosses attaques. Oh là là. Contre les divines, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la princesse. Ah ouais, quand même. Mais quelle horreur, maman, au secours! L'avatar du mal s'est emparé du visage de ma bien-aimée. Je l'ai vu se diriger vers la tour du cauchemar. Oh là là, la tour du cauchemar, bien sûr. Ça va être notre première grosse zone de boss, je pense. Je dois poursuivre ce gredin. Attendez-moi ici, ma chère Odori. Cette démarche. Je sauverai la princesse. Lui qui bouffe toujours. Super, donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais arrêter l'épisode là. Mais je vais aller en fait pexer voilà, ces deux zones ici. Et les remplir à 100%. Pareil pour cela, on va pexer un peu. Et je pense qu'ensuite on s'occupera du château de la tour. Qui, ma foi, semble être une zone de boss. On verra ça après. Allez, à la prochaine fois. C'était Dark Sprite Angel. Salut.